Tout le monde, me voici dans un nouveau vlog. Oui, je refilme enfin. Donc, on essaie de deviner où je suis. On est à Merceline. Donc, je ne sais pas si vous avez deviné, mais hier, j'ai posté une photo et tout ça sur Instagram pour dire qu'on était arrivé. Non, qu'on partait à Merceline. Ça va pas. Hein. Et moi, j'avais fait une vidéo pour vous prévenir qu'on allait partir, etc. Donc, en fait, ça fait longtemps qu'on devrait être là. Mais le problème, c'est qu'il y a eu des petits trucs de voiture. Mon copain a dû la réparer parce que elle n'était pas tout à fait faite. Et on avait pas envie de prendre le risque de partir sans réparation. Donc je suis contente parce que la porte ne s'ouvrait plus, celle où je m'asseyais, je sais pas si c'est français. Et ben là maintenant s'ouvre, donc je suis très contente, je suis plus obligée de m'asseoir derrière. Donc voilà, donc là il est 11h et des brouettes, ça fait pas très longtemps qu'on est réveillé. On devait partir normalement hier assez tôt. Le truc c'est qu'on est parti, on s'est levé à 7h, on est parti vers dans les 8h, un truc comme ça. Ensuite, on a fait une pause, je sais plus à quelle heure, parce que pour les trucs habituels, puis même mon copain a des problèmes avec son GPS, donc c'est très chiant. Ensuite, on s'est arrêté une deuxième fois ou pas? Je crois qu'on s'est arrêté une deuxième fois parce que j'avais très envie d'aller aux toilettes. Ensuite, oui, voilà, il avait des problèmes. Non, j'ai aucun problème avec mon GPS. C'est du fait de s'arrêter souvent dans les magasins, c'est tout. Ah oui, parce que je vais vous dire quelque chose. Voilà. Ensuite, on s'est arrêté deuxième fois parce que j'avais très envie d'aller aux toilettes. En fait, mon copain, il a pris l'autoroute pour gagner 2 heures de temps, donc franchement, ça nous a un peu aidé. Du fait qu'il a pris l'autoroute, on a gagné quand même 2 heures de temps. Et ensuite, on cherchait pour manger parce qu'on avait mangé juste le matin. Non, même pas, j'avais pas mangé le matin. Et on s'est arrêté à Intermarché, si je suis pas folle. On a mangé un sandwich. Et après, j'avais très envie d'aller à Action. Oui, la fille qui choisit mal son moment. Et on n'était pas loin de Troyes, pour ceux qui connaissent. Et mon copain a regardé sur la carte. Puis moi, je l'aidais aussi avec mon téléphone, vu que j'avais Internet. Et donc, c'est qu'on a trouvé à Action. Donc, j'étais super contente. Donc, j'y étais et j'ai essayé de prendre des trucs que je voulais. Donc, au début, je cherchais des coussins émojis, comme je vous avais dit, dans le hall. Et puis, la brosse nettoyante, je n'ai pas trouvé, bien évidemment. Et je suis très déçue. J'ai même demandé à quelqu'un s'il y avait les coussins émojis. Et il a dit que le compteur est à zéro. Donc, ça, je n'ai pas compris. Je pense qu'ils ont dû. Les ruptures de stock quoi. Et la brosse nettoyante, je suis très déçue parce que j'ai très envie de l'avoir au lieu de payer je ne sais pas combien pour une vraie par exemple. Mais tant pis, c'est pas grave, j'essaierai de faire une autre action. De toute façon, c'est prévu qu'on y retourne, mais pas tout de suite. Et puis voilà, donc j'ai pris des choses, j'ai retrouvé des coques de téléphone cette fois-ci transparentes, donc je suis trop contente. Désolée si ce début de vlog est un petit peu long, mais bon, quand même, ça fait longtemps que j'avais pas filmé et j'avais très envie de parler avec vous. Donc ensuite, nous sommes repartis d'action. Et on a été aux toilettes après Leclerc, super merveilleux. Et puis après, on s'est dit, qu'est-ce qu'on mange ce soir? On s'est dit, du fait qu'à Leclerc, on va pas repartir puis rechercher un autre magasin alors qu'on est juste à côté d'un magasin. Oula, trois fois le mot magasin, c'est merveilleux. Et on s'est dit, ou soit un sandwich comme le midi, ou soit on mange autre chose. Et mon copain, il a dit McDo, encore une fois. Et au début, je me suis dit. C'est vrai que McDo, j'adore ça, mais le truc, c'est que c'est vrai que ça fait cher. Après, je me suis dit, si, admettons, il prend un truc à Leclerc, moi qui ai une grosse faim tout le temps, je vais le manger avant le soir. Donc, on s'est dit, on trouvera un McDo vers le soir, parce que nous, on voulait aller au McDo d'ici à Merceline. Le truc, c'est que on était à Beauvais à je sais plus quelle heure, à 21h. Et on s'est dit, ouais, du fait qu'il ferme à 22h30, on n'arrivera jamais. Donc, on a trouvé un McDo avant. On a mangé McDo. Enfin, moi, j'ai pas mangé beaucoup parce que. Enfin, j'ai pris. Des trucs, mais voilà, là j'ai encore mon restant, donc je suis très pressée de manger parce que je commence à avoir faim. Et on est arrivé ici vers 23h et des brouettes, donc voilà, pour vous dire tout ça, après il fallait tout décharger, ça par contre j'ai pas aimé du tout, donc voilà, c'est merveilleux. Et aujourd'hui il fait très très beau, je sais pas si vous allez voir, mais il fait un beau ciel bleu, un petit peu de soleil quand même. Donc voilà, le programme d'aujourd'hui, ça va être d'aller faire des courses pour manger pendant. Tout le mois parce que sinon voilà. Ensuite, je vais aller faire un petit tour à Noz parce que c'est obligé. Ça m'a tellement manqué. Puis en plus, oula, à force d'avoir regardé des vidéos, j'aimerais bien trouver des trucs que j'avais vus dans certains halls. D'ailleurs, si Fanny, tu passes par là, coucou, puis gros bisous à toi parce que les figurines Disney m'intéressent vraiment beaucoup. J'espère qu'elles vont y être parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que tu as filmé cette vidéo.
à ton hall, donc je sais pas, j'espère trouver. Donc voilà, je suis très pressée d'y aller, et puis ça va me faire bizarre de retourner à Auchan parce que j'aime bien ce magasin. En fait, c'est comme si c'était mon deuxième chez moi là-bas, je suis un petit peu bizarre, mais voilà. Donc voilà, je vais arrêter de parler parce que ce début de vlog est assez long, et puis de toute façon, aujourd'hui, on va aller faire un tour vers la falaise où il y a le fameux truc qui a été fait sur le caillou là, parce que j'ai trop envie d'aller le voir. Puis voilà, je vais vous filmer des trucs. Et puis voilà, je vais arrêter de parler. Et puis on se dit à tout à l'heure. Coucou tout le monde, on se retrouve quelques heures plus tard. Il est 16h05, un truc comme ça. Et là, on va en direction de la mer. Donc on ne sait pas du tout ce qui nous attend par rapport au temps. Donc voilà, désolée pour la résonance, mais bon, c'est pas de ma faute. Là, je vais pas y arriver. Ah, c'est bon. Donc là, je vais vous faire montrer des choses. Pendant qu'on était parti, punaise, ils ont fait des travaux. Bah, voilà. Là-bas, aux poubelles, on sait pas ce qu'ils trafiquent, mais bon, on sait pas, de toute façon, ouais, on sait pas ce qu'ils font. Peut-être qu'ils mettent des trucs pour les verres, plastiques, etc., enfin, on sait pas. Donc là, on va aller à la mer, il fait très bon, après l'eau, on sait pas si elle est bonne ou pas, donc on verra. Au pire, bah tant pis, on va directement faire des courses, même si ça va nous... Personnellement, je serais déçue de ne pas pouvoir me baigner au moins une fois, voilà, cette année, parce que... Enfin, parce que voilà. Et ça me fait bizarre parce que ça sent la mer. Donc voilà, je vais arrêter de parler, puis bon, on se dit à plus tard. Recoucou tout le monde, donc on se retrouve quelques heures plus tard. Donc, on a été se baigner. Donc en fait, je voulais prendre la grilla pour vous filmer tout ça, la mer. Mais en fait, je ne l'ai pas prise parce que on n'a pas trouvé de place vers l'esplanade et tout ça. Donc on a dû se garer au parking... qui a la place de Mers-les-Bains. Après on a dû marcher à pied, donc je me suis dit est-ce que je prends l'Allegria ou pas. Puis bah finalement j'ai bien fait parce que la mer elle était loin, elle était pas au bord. Ouais c'est ça. Allez, c'était marée basse, voilà. Il a fait super bon. Et après on s'est préparé tout ça. Et j'étais trop surprise. L'eau elle était super bonne, franchement je reviens pas. Au début c'est vrai que c'était un petit peu froid, puis je me suis dit. Oh bah finalement ça va encore parce qu'on s'était baigné plusieurs fois au lac d'Annecy avec mon frère et tout. Et franchement l'eau elle était bien plus froide. À chaque fois je mettais 2 heures pour rentrer dans l'eau. Tandis que là j'étais tout seul. Donc désolé de toucher à mes cheveux, mais là je me trouve horrible. Surtout que j'ai eu les cheveux mouillés, donc voilà. On va faire les courses parce que on n'a rien à manger. Hier on avait mangé McDo avant de revenir. Et puis voilà, voilà, donc je vais arrêter de parler, puis on se dit à tout à l'heure. Coucou tout le monde, on se retrouve le lendemain. Donc alors, je suis désolée encore une fois pour ma tête. On vient de se réveiller, il est presque 10h et j'ai un truc dans l'œil, c'est cool. Mon père vient de nous appeler pour me dire qu'il était déjà à la gare pour qu'on vienne le chercher. Parce que c'était prévu qu'il vienne. Et j'avais pas une nouvelle hier, donc je me suis dit, bon bah il va pas venir. Mais en fait si, donc en fait on est un peu dans le coltard parce qu'on vient de se réveiller. Enfin si, ça fait quoi 5-10 minutes. Enfin bref, c'est pas grave. On va bientôt y aller. Et puis j'ai très envie d'aller à Noz parce que vu que c'est juste à côté, on verra bien. Et puis là, il fait très moche. Franchement, c'est très décevant ce temps. Comparé à hier où il faisait super beau et la mer était super bonne. Donc je retourne tout ça. Voilà ce temps. Ouais, super. Non, voilà, il fait très très moche. Pff, désespérant. Oula, je devais faire très peur là. Enfin bref, Je vais prendre la caméra parce que j'ai très envie de faire entrer mon père. Donc voilà, je vais arrêter de parler puis je vous dis à tout à l'heure. Bon, coucou tout le monde, on est rentré de Noz et je vais vous présenter quelqu'un. Donc, bonjour, présentez-vous monsieur. Bonjour. Regardez la caméra. Je vous présente mon père, donc qui s'appelle Jean-Pierre, voilà. Je vous en ai déjà parlé dans des vidéos. Bon, c'est pas le père le plus parfait du monde, mais bon, voilà. Donc là, il est venu passer la journée avec nous, et puis on va bientôt manger. Donc là, on rentre de Noz. J'ai acheté des conneries, comme d'habitude, bien évidemment. Donc voilà, je vais arrêter de parler, et puis je vous retrouve seulement tout à l'heure. Bon, voici quelques secondes après, je voulais vous faire montrer quelque chose. Donc à Noz, j'ai fait une super bonne affaire. J'ai trouvé des Ben & Jerry's, elles étaient toutes à 2,75€. Donc j'en ai pris 3, comme ça, s'il n'y avait que celle-là. Donc ça, c'est Pumpkin Cheesecake, donc cheesecake à la citrouille. La citrouille, j'aime bien, mais après, en vrai, je ne sais pas ce que ça va donner. New York Superfood, je ne sais pas quoi. Donc, c'est avec des noix, des machins, des chouettes. J'ai pris avec spéculoos, je crois. Ah, non, c'est du butter, je ne sais pas quoi. Donc, c'est au beurre de cacahuètes, oui. Et ensuite, j'ai trouvé ceci. Donc, c'est ceci, voilà. Voilà, et c'est... Il y a quoi? C'est un truc avec du chocolat, et l'autre, c'est quoi? Ah, on dirait du caramel.
C'était 2,60, 2,50, je crois, ou 2,70, moins 50%, donc je l'ai payé 1,35€, je crois. Donc voilà, et puis on a ramené notre sorbetière, et hier on a fait de la glace. Elle était assez bonne, mais le problème c'est que ce que je cherche désespérément, bon je vais aller par là parce que le bruit de l'eau, merci, en fait c'est le bruit du robinet. En fait, ça fait très longtemps que je veux faire du McFlurry maison pour éviter de l'acheter quand on va au McDo, parce que c'est vrai que 3,10€ à chaque fois, ça fait cher, surtout que, ouais voilà, ça fait très cher, donc on avait envie de le faire nous-mêmes, donc on a acheté des ingrédients, on a suivi une recette d'un youtubeur anglais ou américain, je sais plus, il s'appelle Simple Cooking Channel, voilà, et on a essayé, le truc c'est que, vu qu'on n'avait pas exactement les mêmes ingrédients que lui, ben voilà, et puis... on a essayé et le truc c'est que ça fait un effet gras dans la bouche. C'est la crème fraîche, la crème liquide qui fait ça, donc c'est un peu dommage. Mais bon, c'était quand même bon, mais ça n'avait pas du tout le goût de McFlurry, ça avait plutôt le goût de la chantilly. Donc voilà, bref, là mon copain il a trouvé une autre recette, on va essayer. Et puis voilà, donc je vais arrêter de parler. Et Didline qui est là, coucou ma Didine. Voilà, elle veut des câlins. Je lui donne à manger après. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Coucou tout le monde, on vient tout juste de rentrer. Donc là, il est 18h et des brouettes. Et mon père est parti depuis au moins 1 heure. Donc il avait son car à 17h30 par là. Désolée si je suis essoufflée, mais monter 4 étages sans ascenseur, c'est horrible. Donc là, on vient de rentrer de Auchan. Parce qu'on voulait regarder quelque chose, puis ben moi il me fallait, je voulais une base à paupières mais j'en ai pas trouvé, enfin celle d'essence je l'aime pas trop. Et j'ai pris un crayon à sourcils que j'avais avant, mais je sais pas où est-ce qu'il est, donc j'en ai racheté un, il coûte seulement 1,89€, c'est pas la mort. Ensuite j'ai trouvé un autre petit cadeau pour mon meilleur ami, et j'ai été à Noz. Et là, je vais peut-être tourner la vidéo parce que j'ai très envie de filmer, ça m'a manqué. Puis je vais peut-être mettre une vidéo en ligne en attendant aussi, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas mis de vidéo. Donc voilà, il fait super sombre, enfin il fait très moche. Voilà, il a plu. Bon après, il fait bon, hein. C'est pas français ce que je dis. Mais c'est dommage, j'aurais bien voulu qu'on se rebaigne encore une fois avec mon copain, mais c'est trop dommage. Franchement, l'eau hier, elle était super bonne, j'en revenais pas. Mais on ne sait pas si on va encore se rebaigner. Au pire, bah tant pis, ça sera froid, mais c'est pas grave. Donc voilà, je vais arrêter de parler parce que là, là mon copain il va commencer à faire à manger. Moi, je vais préparer tout pour faire ma vidéo. Ah oui, puis pour vous dire aussi que ça fait au moins presque une semaine que j'ai mal à la dent. Donc en fait, si vous le savez ou pas, bon, je pense que oui, quand on atteint un certain âge, il y a nos dents du fond qui commencent à pousser. J'en ai déjà... mes deux d'en haut et une là qui a déjà poussé. Et là j'en ai une qui pousse là, mais le truc c'est que je sais pas si elle pousse bizarrement ou quoi, mais elle pousse un petit peu trop vers trop la joue, on va dire. Et le truc c'est que j'ai une boule à la gencive, voilà, on va dire ça. Et ça me fait super mal, depuis une semaine c'est comme ça. J'ai même une boule à l'intérieur de la joue, enfin une boule, ouais c'est... une boule assez plate, pas une grosse boule. Et le truc c'est que j'ai même l'impression que ça m'a un peu grossi le visage, ou moi que je vais pas maigrir tout simplement, n'est-ce pas. Donc voilà, ça m'énerve. De toute façon, il faudra que j'aille au dentiste et tout ça, parce que voilà. Donc bref, j'ai arrêté de parler, puis je préparais tout ça pour faire ma vidéo, puis je vous dis sûrement à tout à l'heure. Coucou tout le monde, me revoici ici. Donc je viens de filmer ma vidéo haul, nose et tout le bazar. Donc voilà, là je vais aller voir mon copain pour aller manger, enfin pour faire à manger parce que j'ai très très faim. Et puis voilà, là c'est un peu le foutoir sur le lit, je vais vous faire montrer ça. Ouais, c'est le bordel, c'est cool. J'ai filmé plein de vidéos, je crois que j'en filmerai une après parce que je vais vous parler de quelque chose. Donc voilà, je vais arrêter de parler, puis on se dit à tout à l'heure. Coucou tout le monde, on se retrouve quelques jours plus tard. Donc je n'ai pas filmé parce que je n'avais plus de batterie sur ma Negriga et j'ai profité de mon meilleur ami malgré que j'avais dit que je le filmerais. Mais je vous mettrai la date juste ici parce que je ne sais plus. Donc aujourd'hui on est dimanche, mais je sais plus du tout. Je crois qu'on est 18, un truc comme ça. Ouais, je crois, je sais plus. Et là en fait, ça fait pas très longtemps qu'on est réveillé. Il est 10h, peut-être 11h, je ne sais pas trop. Et là en fait, on va bientôt se préparer pour aller à Saint-Léger. Donc c'est là où mon meilleur ami habite. Et ma soeur habitait là avant, il y a quand même un petit moment. Et on va y aller parce qu'il y a une fête là-bas, et vu que c'est la dernière fois que je peux voir mon meilleur ami, et ben je vais en profiter parce qu'après, ben lui il a plein de travail à faire, vu qu'il travaille à la ferme, etc.
Et après, ben voilà, je ne sais pas quand est-ce que je vais le voir. Et puis, ben voilà, je vais vous emmener avec moi parce que j'ai très envie quand même que vous le voyez en vrai qu'en photo. Oh là, ma voix a bugué. Donc voilà, il fait très très moche aujourd'hui, encore une fois. Mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, je vais pas parler plus longtemps, puis je vous dis à tout à l'heure. Coucou tout le monde, on se retrouve quelques heures plus tard. Et là, en fait, on est en train de partir. Donc je me suis fait une petite beauté aujourd'hui. J'avais très envie. Du fait que c'est la dernière fois, entre guillemets, que je vois mon meilleur ami, pas avant un bon moment. Bon, je me suis pas fait belle que pour ça. Bon, un petit peu quand même. Et puis, bah voilà. Donc on va aller à une fête à Saint-Léger. Il y a des manèges, des jeux, vous savez, les trucs par exemple de canards, etc. Comme dans un petit peu les parcs d'attractions, c'est ça? Plutôt les foires, pas les parcs d'attractions. Donc voilà. Et puis, ben, je vais vous filmer des petits. Ben, je vais essayer de vous filmer mon meilleur ami, parce que j'ai très envie que vous le voyez. Et puis voilà, là, le soleil est caché dans les nuages, donc on espère qu'il va faire assez beau. Enfin, peut-être pas trop, parce que après, sinon, on va avoir chaud. Donc voilà, je sais pas trop quoi dire, donc je vous dis à tout à l'heure! Coucou tout le monde, on se retrouve je ne sais plus combien de temps après. Donc là, on est arrivé à Flic Secours et ça fait très bizarre de revoir ça. Oh, il y a un Candy ici, tiens, je me rappelle plus. Voilà, mais il est fermé. Bon, c'est normal, nous sommes dimanche. Et là, il y a Aldi ici, voilà, super. Ziman, oh Ziman, j'avais oublié qu'il y en avait un. Là, on passe devant, je ne sais pas quoi, un truc d'essence, Leader Price. Avant, il y avait un mutant ici, mais ils l'ont enlevé. Tous les mutants, ils les ont enlevés. Pareil, on en avait un à Mers-les-Bains, mais ils l'ont enlevé aussi. On ne sait pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Et dommage parce qu'il y avait un chocolat que j'aimais bien. Bon, bref, on va pas parler de ça, on s'en fout. Et là, on est sur la route. Voilà, on va pas tarder à arriver à Saint-Léger. Mon meilleur ami est parti de chez lui pour venir nous rejoindre après. Donc voilà. Là, on a l'église de je sais plus, bah, de Flexoblou, je suppose. Non. Hein? Non, on est dans un autre. Ouais, c'est pas grave, je ne sais pas où est-ce qu'on est, je ne sais plus. De toute façon, là, je me repère un peu. Je crois qu'on est à Vignacourt, un truc comme ça, je ne sais plus trop. Donc voilà, je vais arrêter de parler, puis je vous retrouve tout à l'heure avec mon meilleur ami. Recoucou, donc là, nous sommes enfin à Saint-Léger, et c'est horrible, voilà. Ça me fait plus. Au lieu que ça me fasse plaisir, non, ça me. Voilà quoi. En plus, nous sommes dimanche, et peut-être qu'on va croiser des gens. Donc moi, j'ai pas envie du tout. Voilà, là on va se garer là-bas, puis bien sûr il y a des gens. Ah non, Ah ouais, il y a c'est des des gens, voitures. mais Bah oui, vu qu'il y a la fête de Saint-Léger, il va sûrement y avoir des gens qui vont se garer. Donc voilà, c'est merveilleux. Je n'ai pas du tout envie. Je ne sais pas si mon meilleur ami. Normalement, on se rejoint alors, il l'a dit. Donc voilà, on va l'attendre sagement. Puis bah, je vais lui envoyer un message pour lui dire qu'on est arrivé. J'espère que mon téléphone est encore allumé parce que c'est bon. Il me reste 2% de batterie, ça c'est nul. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Puis voilà. Coucou tout le monde! Regardez qui est là! Bonjour Aurélien, présentez-vous devant mes abonnés YouTube. Ben, je m'appelle Aurélien. Oui. Je suis le meilleur ami d'Élise. Oh, il est trop mignon! Bon, bref, on va vous laisser puis on vous dit à plus tard! Regardez! Une sorte de serpent à Saint-Léger. Et il bouge en plus. Je crois que c'est venimeux. Il bouge. Ah! Je m'en vais de. Mais non, regarde. Il attaque pas, regarde. Ah, c'est normal, c'est bon. Bah, attrape-le, monsieur. Il a peur, regarde. Il faut le foutre là-bas, sinon les gens ils vont l'écraser. Ouais, non. Vas-y. Si tu perds, c'est pas grave, tu sais. Oh merde! Coucou tout le monde, on se retrouve le 20 septembre. Donc alors, je fais la fin de ce vlog. Oula, parce que ça fait presque 20 minutes, je crois, qu'il a commencé. Et de toute façon, je vais en recommencer un autre pour après. Bon, bref, c'est pas très grave. Et là, j'ai quelqu'un à vous présenter parce que je suis avec lui sur Skype. Voici Maxime. Je suis vraiment désolée, on le voit pas trop. Attendez, je vais essayer de tourner l'ordi pour que vous voyez moins l'ombre. Donc voilà, voici mon frère. On le voit pas du tout, encore une fois. Je vais encore tourner. Donc, je suis désolée, voilà mon frère qui est là. Donc, on se parle sur Skype, bien évidemment. Et puis, ben voilà, on se raconte un petit peu ce qui se passe depuis qu'on est parti, tout ça et tout ça. Et puis voilà, mes chats vont bien. Et puis voilà. Bon, donc dis bonjour, Maxime. Salut! Voilà, toujours aussi chiant.
Donc voilà, voilà, me revoici ici. Donc, c'est bon, on a compris. Voilà, toujours en train de faire l'andouille. Désolé pour ma coiffure horrible. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Mon frère a mis une vidéo de lui, bah, quand il chante la partie d'une des vidéos bah, qu'on a fait quand j'ai chanté, enfin quand on a chanté, etc. Et beaucoup ont dit qu'il chantait super bien. Donc, je suis très contente pour lui. Et on m'a dit aussi que je chantais bien, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, à la base, on devait commencer la vidéo, la chaîne de cover et tout. Le problème, c'est que mon frère, il n'a pas de caméra pour chanter. J'avais, au début de ma chaîne, j'ai filmé avec la caméra de la mère de mon copain. On lui a demandé, mais la caméra, elle ne l'avait pas. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon, après, c'est pas grave. De toute façon, dès que je rentre à Annecy, ben, on se mettra vraiment à chanter. Donc voilà, je vais arrêter de parler, puis j'espère que ce vlog vous aura plu, et je vous fais de très très gros bisous, et à une prochaine vidéo!